Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre journal politique national centré sur des témoignages forts et émouvants rendus au président Henri Konan Bédié par Tidjane Thiam, Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé et Adjoumani Kouassi. Restez donc jusqu'à la fin pour ne pas rater une partie de cette info et n'oubliez pas de vous abonner. Témoignage du président Tidjane Thiam. Je peux dire sans risque d'être démenti que tous ceux qui ont eu la chance d'approcher le président ne pouvaient être que frappés par son affabilité, sa gentillesse, sa politesse. Alors qu'on aurait pu attendre d'un homme qui dès le plus jeune âge fréquenta les grands de ce monde, du président John Fitzgerald Kennedy au général de Gaulle, une certaine hauteur, il était au contraire d'un abord aisé. Il avait toujours une attention pour vous, un petit mot gentil qui vous montrait qu'il s'intéressait à vous et aux aspects les plus banals de votre vie. Henri Konan Bédié et Henriette Konan Bédié se complétaient d'ailleurs parfaitement sur ce plan. Humain, attentionné, gentil, c'était cela l'homme qui se cachait sous une apparence peut-être un peu austère, au premier abord. Non, le président n'était pas austère, je crois simplement que c'était quelqu'un de discret, d'intensément privé. La famille était une chose extrêmement importante pour lui. Il adorait son épouse, ses enfants, ses petits-enfants qui sont tous ici ce matin et que je salue avec déférence et affection. Simone Gbagbo rend hommage au président aimé Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié a été président de la Côte d'Ivoire pendant des années. Et il était le chef du PDC-RDA, premier parti ivoirien. C'est toi accent grave fait normal que toute la nation s'associe pour lui porter témoignage et s'entendre pour le conduire à sa dernière demeure de façon éclatante. Nous devons manifester au président Bédié cette affection et cet amour qu'on a ressenti pour lui. Il le mérite énormément. Il a grandi, il est devenu homme d'État, ministre, ambassadeur, représentant sa nation à l'étranger. Ensuite, il est revenu et est devenu président de l'Assemblée nationale, président du PDC-RDA après le décès du président Houphouët-Boigny. Et après il a perdu le pouvoir dans la difficulté. Mais il n'a jamais tourné le dos à son pays, la Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé parle du président Henri Konan Bédié. Bédié est un papa, un homme tolérant, un rassembleur, un artisan de la paix. Malgré toutes les oppositions qu'on a eues, c'est le plus grand soutien que j'ai eu quand j'étais encore à La Haye. Il nous laisse en héritage de bâtir la Côte d'Ivoire dans le respect de nos différences. Je suis COGEP, il était le président du PDC-RDA, malgré cela, c'est un monsieur qui m'a accordé le plus d'audience. Il me donnait des conseils. Il m'a dit « N'associe jamais ton nom à une action qui va déstabiliser ton pays. » Ce conseil reste gravé dans ma tête. Je lui dis adieu. Pour le respect de sa mémoire, nous devons tout faire pour que la Côte d'Ivoire reste debout dans le concert des nations. L'hommage émouvant de Adjoumani Kouassi. À un moment donné, le président Gbagbo avait émis des ordres pour souffler le golfe. Vous étiez là. Quand on nous donnait l'information, c'était la peur, la panique parce qu'on nous dit, si vous ne quittez pas le golfe, on va vous exterminer. On a même fait des démarches auprès du président Henri Konan Bédié, lui demandant de quitter le golfe parce que nous allons tous mourir. Le président Bédié a dit, s'il faut mourir, je meurs avec Alassane Ouattara. Si le président Bédié était resté avec nous, sachant le président Alassane Ouattara comment il est, nous tous, on allait être à côté de lui et il n'allait pas mourir de cette façon. Malheureusement, il est mort, paix à son âme, que Dieu l'accueille dans son paradis. Se souvient le ministre Adjoumani Kouassi sous l'effet de l'émotion.